Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 19 février. Il est 10h du matin et je vais m'apprêter un petit peu. Alors, qui dit dimanche dit journée famille. Ali bosse pas surtout, c'est pour ça. Du coup, on va aller déjeuner chez son papa et ensuite on ira dîner chez ma maman. Donc aujourd'hui, direction Paris. Là, aujourd'hui, il s'occupe du haut de la maison. Je vous cache pas que j'ai une flemme. Je le fais pas aussi souvent que le bas de la maison. Mais bon, je le fais, hein, forcément. Mais pas aussi souvent, sachant que en bas, je passe l'aspirateur genre 4 fois dans la journée. En haut, on va dire que allez, je passe l'aspirateur une fois tous les 4 jours, à peu près. C'est pas oufissime. Bref, là, je vais m'apprêter un petit peu. Je vais juste me redonner un petit effet bonne mine. Je mets pas de fond de teint ou quoi, mais une bébé crème qui est vraiment bien. Non, c'est pas une bébé crème. C'est une CC crème. Je sais même pas quelle est réellement la... La différence, j'ai une tête de dingue quand même. Je vais faire autrement parce que ça va être compliqué là de voir mon retour dans le retour écran. Alors, hop, je vais m'apprêter un petit peu. Là, j'ai coiffé les filles. Après, on va se préparer, on va s'habiller, on va sortir. Donc, écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, let's go! Bon, là ça y est, je vous retrouve, il est déjà midi 35, on va pas tarder à arriver chez mes beaux-parents, du coup là c'est juste le temps de se garer et de monter. On est sorti tôt, hein, il était 11h et quelques, mais de toute façon on habite, ça prend forcément du temps, mais c'était pas bouché donc c'est déjà ça. Du coup là on va aller manger tranquillement dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'on va manger, et après on ira du coup chez ma mère. Je sais même pas si je vais voir un de mes frères. En fait, parce que mon petit frère il était déjà ce week-end, enfin, vendredi samedi, donc on s'est loupé. Et mon grand frère je vais voir avec lui, mais j'aimerais bien parce que là je sais même pas quand on se reverra autrement. Et dites-vous que mon petit frère je l'ai... Attends, si je l'ai vu vite fait. J'allais vous dire je l'ai pas revu depuis son mariage, mais je l'ai vu vite fait à son retour de voyage. Mais genre vraiment on est resté une heure ensemble à peine et après on s'est pas revu. Donc voilà, je suis un peu déçue de l'avoir loupé. Mais si on serait sorti plus tôt, je serais passée voir mon petit frère. Parce que il est sur le chemin, enfin... On peut passer par là-bas pour aller après chez mon beau-père. Mais bon, c'est pas grave, on le verra très prochainement, j'espère. Écoutez, on se retrouve. J'ai coiffé Inaïe, elle est en mode très collée. C'est elle qui voulait s'attendre, toi, mon cœur. Et du coup, voilà. Et puis comme ça, elles vont rester coiffées bien là, parce que sinon, ça va dans tous les sens. Let's go. Ok, bah je vais prendre la... Souvan, vas-y. Tu colories ma maison, ouais. Allez. C'est toi qui l'as construit après, d'accord, okay. Tu me dis comment faire. Ça fait un pire, hein. Ah, mais Vera, tu fais n'importe quoi aussi. Hello les filles, vous doutez qu'on n'est pas du tout le même jour, on est le lendemain. Hier, je vous ai laissé quand on était chez mes beaux-parents. Là. Ensuite, on a été chez ma mère et j'ai pas du tout repris, mais en gros, on y a passé le reste de la journée. En fin de journée, j'ai mon grand frère qui est venu avec ma belle-sœur. Donc, je suis restée vraiment, vraiment pas longtemps avec eux. Je crois que c'était une petite demi-heure à peine. Hop là, Sohan râlait un peu, il était fatigué et du coup j'avais une hâte en fait, c'était qu'il dorme. Et ça n'a pas loupé, quand on est parti en voiture, ils sont endormis en 5 minutes. Ah, merci beaucoup pour mon téléphone, mon cœur, c'est très gentil mon doudou, merci. Et après on est passé chez mon petit frère avant de rentrer à la maison, on est resté une heure. Et Sohan en fait il dormait dans un siège auto, donc on avait pris directement un siège auto. Je vais vous montrer un petit peu ce que mon frère il m'a ramené de Dubaï. Un gâté maman. Tu dis coucou? Oui. Oui.
Ah d'ailleurs, Inaël et Aina sont chez ma mère, elles ne sont pas rentrées avec nous. Elles vont faire quelques jours là-bas pour leur plus grand bonheur. Et j'espère juste que Swan, ça va aller, parce que la dernière fois, c'était l'horreur quand il n'était pas là. Alors, mon frère, il nous a pris... Oui, chérie. Des chocobons crispy comme ça. Franchement, ça colle pas du tout avec mon rééquilibrage alimentaire, mais les enfants vont être ravis. À moi, il a pris un call. En fait, il me disait qu'à Global Village, il y avait, vous savez, tous les pays et tout, et ça, ça viendrait d'Inde. Il m'a pris un parfum. Ils sont grave, grave bons. Un parfum pour Ali, je ne l'ai pas encore senti, mais moi, généralement, les parfums d'hommes, j'aime trop. Ah ouais, ça sent que ça sent bon. Voilà. Il a pris du chocolat comme ça. Le jour à Global Village, il m'a dit qu'il avait pris cette crème, donc ça viendrait d'Afrique. Et c'est du beurre de karité mélangé avec de la coco, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air hyper, hyper nourrissant. Juste à regarder, je le vois. Il nous a pris des petits gâteaux, donc ça, c'est à la date. Oui, mon amour, là, j'aime trop les dates. Ça, il y a de la crème à l'intérieur. Viens, Inaï, elle est pas là, mon amour, ça va être compliqué, là. Il nous a pris... des petites sucreries comme ça. Oui, mon amour. Et également le petit truc, la petite magnette Dubaï que je vais aller coller sur mon placard à magnette. Oula! Je vais vous ramener au placard à magnette. Viens. J'ai les cheveux gras. En deux jours, là, je suis dégoûtée. Je dois aller les laver. Hop, viens. Alors, le placard à magnette. Oui, mon amour. Viens. Il est là. Donc en fait de base c'est les pays que nous on a fait uniquement. Je mets pas les autres pays. Mais Dubaï en fait en vrai de vrai. Voilà. Alors petite douche de prise. Ali est partie au sport. Moi je vais me préparer un petit peu. Enfin si Sowan veut bien me laisser. Oui. Papa il est parti au sport. Il est parti. Ali. Oui. Ali, il est parti au sport. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, moi, je vais m'apprêter un petit peu parce que là, je vais sortir avec, avec une copine. D'ailleurs, c'est celle qui s'occupe de mes cheveux. En fait, c'est ma coiffeuse. On a vraiment beaucoup sympathisé. Elle est trop gentille et vraiment, on s'entend hyper, hyper bien. Elle est d'une douceur. Enfin, vraiment, j'aime trop. Et du coup, on s'est dit qu'on allait déjeuner ensemble aujourd'hui. Donc là, j'aimerais bien pouvoir m'apprêter un petit peu. J'ai fait les soins pour mes cheveux. Il me reste que le K18 à venir appliquer. Et pour ce qui est du maquillage, je vais faire celui que je fais en fait dernièrement. J'ai trop aimé. C'est hyper simple en fait et il faut pas beaucoup de trucs. Je mets une bébé crème, un peu d'anti-cerne, un peu de poudre, du rouge à lèvres, mascara et je fais mes sourcils. Enfin, les sourcils, les plus crèmes, un sourcil, je le fais en mode vite fait. Et du coup, je sais pas, j'aime beaucoup parce que ça fait un teint beaucoup plus frais et lumineux et ça donne tout de suite bonne mine. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Ouais, lui prend mon téléphone, ça c'est pas possible mon amour, tu n'as pas de recherche. Est-ce que tu veux bien le donner à maman s'il te plaît? J'étais en train de négocier un contrat pour une collab. Alors les filles sont pas là, donc vraiment Sohan il s'ennuie beaucoup sans elles. C'est un truc de dingue dès qu'elles sont pas là, comment il les cherche en fait. Bref, le K18, je vous le redis, c'est incroyable. Je vous mets le lien, moi je l'ai pris sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Bon, ça coûte un peu cher parce que le petit flacon là comme ça, il coûte 30€. Mais vraiment, il est excellent, il reconstruit vraiment le cheveu. En fait, c'est un traitement et je pense qu'après une déco, il faut grave le faire parce que c'est magique. Je l'ai même conseillé à mes amis et tout. Et j'en ai une ou deux, je crois, qui l'ont pris. Et une sûre en tout cas. Et elle m'a fait un retour et m'a dit, mais c'est juste trop trop bien. Donc bref. Ça c'est fait, là je vais attendre qu'il sèche et après je vais venir les brosser. Qu'est-ce que tu fais mon amour, tu veux ça? Si tu veux, ce que je peux te donner c'est ça, la boîte. Merci maman. Du coup je vais essayer de m'apprêter un petit peu et puis oui. Je vous retrouve. Bon les filles, go, je vais au resto. Alors oui, je vous ai dit que je faisais un rééquilibrage alimentaire, que je voulais faire attention etc et essayer de perdre un peu de poids. Alors ce qui se passe c'est que j'ai tout autant besoin de sortir, me changer les idées que de perdre du poids. Et là en fait on va à Melting Pot. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, vous savez, en mode un peu, enfin les salades et tout. Et c'est des bowls, ils appellent ça là. Ça me dit rien. Je vais prendre un truc normal, après je vais pas prendre de boisson ou quoi. J'ai ramené mon petit thé avec moi, mon petit thé infusion. Et voilà, pour l'instant ce sera comme ça, on va y aller crescendo un petit à petit. De toute façon je suis persuadée que à la longue il y aura les résultats que je veux. J'ai déjà fait une perte de poids de 20 kg après Inaya. J'étais passée du
Attends, pendant ma grossesse, je devais faire un L. Et après Inaya, je faisais un XS pour vous dire. Donc voilà, la perte de poids, en vrai, je sais comment faire. J'ai la méthode, j'ai ce qu'il faut. C'est juste la volonté que parfois, j'ai pas. Voilà. Donc écoutez, là, on va y aller. A priori, je serai pas en retard, donc ça, c'est chouette. Let's go, les amis. Ali, il est avec Sohan, d'ailleurs. J'ai toujours peur de toucher la voiture d'à côté. Comme d'hab, si vous me connaissez, je vais mettre Waze et je vais y aller. Hop. Et mon petit thé. Hop là. Roman. Elle arrive à... Ok. En plus, je lui ai dit que t'étais pakistanaise et tout, Nadia. Je vous retrouve, il fait hyper chaud. Là, on est passé à BM. J'ai pris quelques bricoles. Je vais vous montrer en fait quand on rentre à la maison. Mais j'ai envie de changer un petit peu le couloir. Là, du coup, j'ai ramené ma copine à sa voiture. On va mettre de l'essence et on va faire un tour à Action et je vais prendre ce qui manque. Je vous ramène avec moi et je vous fais un bête de petit haul en rentrant. Bon, j'ai pas pris grand chose, mais ça va faire des grands changements. Allez, c'est parti. Les filles, je sors de Action. Je suis choquée de à quel point. Il fait chaud, mais genre il fait vraiment trop beau. Je suis trop contente. Alors à Action, j'ai trouvé des bricoles. Alors je vous explique. Moi j'étais partie carrément pour... j'ai vraiment chaud. J'étais partie carrément pour repeindre mon couloir à l'entrée, refaire du blanc. Mais en fait j'ai pris des éponges magiques parce qu'il n'y avait pas la peinture que je voulais. Et que comme d'hab en fait je suis trop pressée. Et j'ai ma copine qui va venir à la maison avec moi. Franchement, c'est un coup de cœur cette nana. Elle est trop mignonne. On passe grave un bon moment. Du coup, je lui ai dit viens à la maison. Et puis, comme ça, on finit la journée tranquillement. Alors, je lui envoie juste mon adresse parce qu'on va se suivre. Hop. Elle est là. Je crois qu'elle est déjà là en train de m'attendre. Donc, écoutez, on va y aller. Je mets l'adresse aussi de la maison. J'ai passé un trop bon moment. Franchement. Faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Là, manger, shopping, mais je suis au max du max. C'est mes hobbies, quoi. Hop. Et là, on va faire un peu de déco avec du changement à la maison. Je pense que moralement, il n'y avait rien qui pouvait me faire plus de bien. Enfin, une bonne nuit de sommeil, on s'entend, mais à part ça... C'est trop bien les bouteilles d'eau thermique parce que l'eau, elle reste bien fraîche. Allez, go, Alingo, c'est parti. Les filles, je vous retrouve, je suis mais débordée. Il est 19h, ma copine du coup elle vient tout juste de partir. Je lui ai préparé des petites crêpes et tout pour le goûter. Moi franchement je n'ai pas dîné parce que par rapport à ce que j'ai mangé ce midi là, je suis encore calée pour être honnête avec vous. Je vais juste vous montrer l'état du salon. Et encore vous ne voyez pas ce qu'il y a au sol. Voilà, Sohan a été mais particulièrement difficile aujourd'hui. Il a beaucoup pleuré. Je pense que c'est parce que ses sœurs ne sont pas là. Donc c'était assez compliqué, je ne vais pas vous mentir. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire les petits changements du salon. En gros, j'ai été à Action et j'ai été également à BM. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je vais aller coucher Monsieur Sohan. Je ne sais pas où me poser parce que Sohan, il peut trop me déglinguer... l'appareil photo. On va essayer ici. Hop. Ça y est parti mon cœur. Alors pour ce qui est des nouveaux rideaux que je vais mettre dans le dressing, j'ai pris cette couleur terracotta, je la trouve hyper jolie et j'en ai pris 4 du coup parce que il m'en faut 4 en fait pour le dressing, il est hyper grand. Et donc, ça me coûtait 5,99 l'unité. Je trouvais que ça allait, c'était raisonnable, franchement, par rapport aux autres prix et tout qu'il y avait. La couleur est belle, la matière est bien, elle est bien opaque. Et pourtant, elle est très fine, donc c'est trop cool. À Action, j'ai pris ce petit cadre. Je le trouve vraiment joli. Et j'en ai pris un petit peu en plus grand. Donc voilà, par contre, je viens de voir le mur et il me semble que c'est du béton. Donc je vais galérer à les accrocher, voir si c'est pas mieux de le coller carrément, on verra. À Action, j'ai également pris ça pour les toilettes. J'ai repris du produit vitre. J'ai repris également du vinaigre ménager. J'aime beaucoup celui-là, d'ailleurs, je le rachète assez régulièrement. J'ai pris ça, cette étagère en bois ABM.
Franchement, je l'ai trouvé sympa. De toute façon, une fois posé, je vous montrerai. Ça donnera mieux. J'aimerais bien pouvoir faire ça ce soir. Mais pas sûr. Hein. Tout va dépendre de l'heure où Swan va s'endormir, etc. J'ai pris cette petite fausse plante pour mettre du coup sur les sagères en bois. Et pour terminer, j'ai pris des éponges magiques Monsieur Prof. Alors en gros, on la mouille et après on nettoie au niveau du mur. Et c'est supposé vraiment faire une grosse différence. Et le mur est un peu sale puisque ma peinture du couloir, c'est une peinture qui est mate. Donc, on a un petit bruit de fond. Donc ça s'est un peu sali et je pense qu'avec ça, ça va faire du bien. Donc écoutez les filles, je vais aller coucher Sowan et on se reprend pour le couloir. Avec le ballon, il m'a dit regarde, il aime trop dire ça. Oui mon bébé, mais là il est tout calme. Alors qu'il a beaucoup pleuré mon chat. Amour. Allez, je range un peu le salon et après je vais coucher Sowan. Bon, là je vous retrouve, j'ai endormi Sowan. Et du coup j'ai mis les premiers rideaux, j'aime beaucoup trop la couleur. Là je vais mettre les seconds, je vais également poser une étagère avec mes deux petits tableaux. Donc ici j'ai Sowan en visu, j'ai mon marteau, là je devrais avoir des vis, mon étagère, mes deux petits rideaux, mes deux cadres, une petite plante à mettre en déco. Et là le mur ici il n'est pas propre, je vais le nettoyer avec mes éponges magiques de chez Monsieur Propre. Donc écoutez, c'est parti pour le changement. Les filles, du coup, voilà à quoi ressemble le couloir d'entrée. Alors, sur ce mur, je vais mettre un énorme miroir. Je cherche juste des bordures en bois. Donc, ici, on a les toilettes des invités. Les rideaux, ça rend vachement mieux. Pour ce qui est des petites étagères, etc. Attendez, je vais vous prendre comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, j'en suis trop fan. J'ai nettoyé le mur ici. J'ai refait un petit coup de blanc. J'attends juste que ça sèche parce que, du coup, c'est pas trop uniforme. Quand ce sera sec, ce sera mieux. Mais franchement, je préfère largement. Ce que je vais faire, c'est qu'également, je vais mettre un truc ici. Ça va faire trop bien. Et peut-être un petit tapis en jute. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais également changer les gamelles de Luffy. Je vais prendre un truc genre en beige, un truc comme ça. Et puis écoutez, voilà, mais je suis grave contente. Hello les filles, je vous retrouve le lendemain matin. Alors là il est 10h40, j'ai petit déjeuner depuis un petit moment. Je suis avec Swan pendant que Ali est à la salle de sport. Oui mon amour, tu fais un sourire, tu viens mon cœur, tu fais un sourire. Oh maman. Et donc quand je me suis réveillée après avoir petit déjeuner, j'ai décidé de préparer une petite purée patate douce. Alors c'est une recette du Thermomix et en fait quand j'ai goûté j'ai vraiment pas trouvé ça dingue. Et du coup je me suis demandé ce que je pouvais rajouter pour que ça rajoute vraiment quelque chose. Et j'ai rajouté du lait de coco, mais elle est vraiment meilleure. Donc là j'ai lancé une machine, je vais aller me poser un petit peu avec Sowan. Je vais ranger vite fait la chambre etc. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, on ira aux courses tout à l'heure. Parce qu'on n'a plus grand chose à la maison. Donc là il était temps d'aller faire les courses. Autrement je suis toujours aussi contente et fan du couloir. Ah non, j'ai cru que la porte elle était un peu ouverte. J'ai eu tellement peur. Waouh.
Franchement, je suis trop contente. Là, le mur, c'est vrai qu'il n'est pas impeccable, mais il était tellement, tellement sale. Bref, je vous remontre genre avec la lumière du jour, mais j'aime trop. Tu viens, mon cœur? T'as vu, ça a changé, Mimi? T'as vu, ça a changé? Là, on va mettre un tapis en jute, un grand miroir ici, mais je crois que je vous l'ai dit. Et là-bas, en fait, en dessous de où il y a les clés, on va mettre une plante verte. Une fosse, parce que je pense qu'elle fera pas long feu autrement. Mais ça va être encore plus beau et chaleureux. Parce que c'est vrai que c'est le premier endroit qu'on voit quand on rentre à la maison. Donc c'était vraiment trop fade, trop sombre. Et je trouve que cette pièce, elle servait limite à rien. Or que là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. Après, il faut savoir qu'en fait, c'est également la maison de Luffy. Parce que Luffy, bah, son panier, il est juste là. Donc voilà. Et bah, on a le dressing, parce qu'on n'a pas eu le choix en fait que de le mettre ici. Je voulais pas prendre autant de place dans les chambres. Et il n'y a que la chambre de Sohan qui a un placard intégré. Donc de base on s'était dit qu'on a acheté ce dressing, on va dire, pour dépanner, qu'on allait prendre un dressing pack, etc. De chez Ikea. Mais plus le temps est passé, plus on s'est dit qu'on n'allait pas réinvestir dans un vrai grand dressing. Et que plus tard on en fera un sur mesure dans l'appartement, comme je vous disais, où on s'installera. Dans la maison où on s'installera définitivement. Mais une fois de plus, on n'est que de passage. Faut savoir qu'avec Ali, on est vraiment des nomades, c'est dingue. Parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et là c'est le 5e appartement. En moyenne on reste 2 ans dans un appartement. Et là on a déjà fait 1 an. C'est ouf, ça passe trop vite. Mais ouais, franchement, nous au bout de 2 ans et demi, là on commence à avoir la bouche, 2 ans et demi, 3 ans. Après je me dis, là on est encore jeune, on peut encore bouger, tenter plein de trucs, plein de nouvelles villes. Et c'est vrai que plus on a bougé, plus on a testé des villes, plus je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc déjà Paris c'est juste mort. Or qu'au début on était à Clichy, donc on était vraiment à quelques minutes de Paris. Mais plus jamais. Donc bref, écoutez, on va se poser avec Sohan, je vais ranger un petit peu et je vous retrouve quand on ira aux courses. Bon, là on se retrouve, en fait on est sorti, il est déjà 12h15, on va aller déjeuner avant d'aller faire les courses. En fait, je sais que je devrais pas parce que je suis censée perdre du poids, mais là vu qu'on va au Wok et qu'au Wok, il y a grave des trucs où ça va, franchement, on va pas se mentir. Il y a de la salade, il y a des fruits, il y a du poisson, je crois les makis aussi, ça fait pas grossir, ce genre de choses. Enfin bref, il y a plein de choses en vrai où ça va, c'est assez sain. Donc je vais essayer de me faire une assiette pas trop n'importe quoi. Puis écoutez, voilà. Non, en vrai, je suis quand même déter. Hein. Là, c'est juste que je me dis qu'en vrai, ça va, c'est pas un fast-food. Ça passe. Bref, on va manger, après on va aux courses et il faut qu'on rentre pour que Sohan puisse faire sa sieste. Donc on va essayer quand même de pas prendre trop de temps à l'extérieur. C'est parti. Et mon amour, il est trop mignon, baba. Il est tout petit encore, mon bébé. Il commence à avoir du soleil, je suis contente. Oh là là, ça fait trop du bien. T'arrives pas avec la grande. Ouais. Oh là. Moi ça y est, j'ai fini. J'ai mangé que des trucs sains. Bravo. La mangé? Ouais. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après manger, on a eu une flemme incroyable d'aller aux courses. Sachant que initialement on était sorti pour ça. Donc bref, on a remis les courses à demain et là ça va être grosse sieste. Sohan est avec nous. Comme ça je suis sûre qu'il dort un petit moment et qu'on peut vraiment récupérer parce que sinon il va vraiment pas dormir longtemps et là pour le coup bah on a tous besoin de récupérer. Les filles, Sohan et moi, on est complètement déphasés. On est sorti du lit, il est 17h, donc autant vous dire qu'on a fait une très grosse sieste. Ali est parti, on sait même pas à quel moment. Est-ce que tu fais coucou mon amour ?
En fait, en ce moment, il aime beaucoup trop jouer avec les jeux comme ça. Et c'est un petit truc que j'avais pris à Action. Ça coûte moins de 4 euros. Et j'aime bien, en fait, les trucs en bois. Je trouve que ça dure plus longtemps dans le temps. Et là, je vais en prendre d'autres à Sohan, en fait. Je vais lui prendre toute la collection. Bref, on a grave bien dormi. Là, on va aller prendre le goûter. Là, ce que je vais faire cette fin de journée, parce qu'en fait, ce matin, j'avais fait vraiment, on va dire, 3/4 de mon ménage. Il n'y a que la machine que je dois vider, la machine de la vaisselle. Et j'ai déjà plié les vêtements qui avaient séché. Il faut juste que je les range dans leur placard. Mais autrement, tout est fait. Et du coup, je vais en profiter pour me poser un peu. J'avais fait une purée de patates douces pour ce soir et j'ai du poulet. Donc, je vais juste cuisiner vite fait le poulet. Ce sera le dîner de ce soir. En soi, j'ai la fin de journée assez tranquille. Je pense que je vais me poser, je vais regarder des vidéos YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et je vais juste vous montrer aussi, tout à l'heure, quand on est parti manger, à côté du magasin, c'était un Bricorama ou Castorama, je sais plus ce que c'était. Mais j'ai pris une petite, mais ça se voit pas. On voit pas ce que c'est. Bah, une lanterne comme ça, en fait, elle est de couleur marron, beige, marron clair. Et je trouvais, enfin ouais, beige plutôt, je trouvais que ça allait bien, en fait. Du coup, pour compléter ma petite déco, il ne manque plus que 3 éléments sur 4. Donc là, voilà, c'est l'heure du café. Bon, les filles, je vous retrouve, il est 22h30. Je viens tout juste de terminer, en fait, de monter la vidéo que vous regardez. Et Sohan s'est endormi aux alentours de 20h30. Je le look depuis tout à l'heure, j'ai toujours un œil dessus. Je suis vraiment, vraiment pas sereine. Ali termine assez tôt, donc à minuit. J'espère qu'il n'y aura pas de réveil avant. Parce que moi, une fois que j'ai terminé le montage, là, je vais aller faire le poulet dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai pas dîné et Sohan, il a mangé juste la purée de patates douces. Et en fait, entre hier et aujourd'hui, vu que bon, ben, on a mangé à l'extérieur à midi, et ben, j'essaie quand même de créer un déficit calorique. Et ben, du coup, je jeûne, c'est du jeûne intermittent. Je me rends compte que c'est ça. Et en même temps, j'ai pas très faim, je vais pas vous mentir. Je bois par contre du thé, de l'eau toute la journée. Mais là, je n'ai pas envie de remanger. Donc bref, je vais m'arrêter ici d'ailleurs. Je regardais dans le vlog mes cheveux. Il faut déjà que je fasse une patine, ce que ma coiffeuse me disait. Et j'ai reçu un message. Trop mignon. C'est ce que ma coiffeuse me disait, ça a grave dégorgé déjà. Et elle m'expliquait qu'en fait, les hormones, ça jouait énormément. Donc que ce soit une chute d'hormones ou au contraire. Et je pense que c'est vraiment une chute d'hormones parce que je suis en train d'arrêter l'allaitement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment au bout. Je vous en reparlerai quand ce serait définitif. Mais j'avoue que ça me fait vraiment, vraiment un truc au moral. C'est pas évident. Mais voilà, je pense que c'est mieux maintenant pour Sohan et pour moi. On verra comment ça se passe par la suite. Mais du coup, c'est à mon avis pour ça aussi que ça a dégorgé finalement aussi vite. Donc là, elle m'a dit quoi faire pour les patines. Je vais essayer de faire ça dans pas trop longtemps. Je vais pas refaire de shampoing bleu, je vais rien refaire. Je vais directement refaire une patine. Mais il m'en faut deux différentes. Une bah, pour les racines en fait. Et une pour les longueurs parce qu'ils sont pas décolorés pareil. Voilà, le taux de décoloration n'est pas identique au niveau des longueurs et un peu plus bas. Du coup, je vais faire ça assez prochainement, comme ça j'aurai le résultat de quand je sors du coiffeur. Et puis ça rajoute un peu de brillance, de peps, etc. Donc voilà. Autrement, je suis hyper contente parce que je soigne vraiment mes cheveux avec des produits de qualité. Et je vois grave la différence en fait. Je vois vraiment la différence, ils sont hyper souples, en bon état, ils sont tout doux jusqu'aux pointes en fait. Et j'avais vraiment peur de ça avec une décoloration. En fait, je me rends compte que les autres fois, j'avais pas les bons produits après pour vraiment entretenir. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était vraiment hard. Là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment, j'ai pas du tout l'impression d'avoir les cheveux abîmés. Donc, je suis contente. Maintenant, go refaire une patine et les laisser pousser et continuer à doser les soins. Bon, je m'arrête ici. Je vous retrouve vraiment très très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment la différence. Un commentaire, ça fait plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que je vous l'ai déjà dit, hein, mais vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos régulièrement. Parce qu'en fait, on a les stats, en fait. Et du coup, vous êtes plus de la moitié à regarder régulièrement sans être abonné. Donc, si jamais, je vous le redis, c'est gratuit. Vraiment, au cas où vous poserez la question, c'est gratuit. Et en plus, ça encourage vraiment le créateur, ça fait trop plaisir. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite.